Donc, je vous ai montré le gilet qui chauffe. Là, bon, d'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il fait carrément trop chaud. Il marche sur Powerbank, qui marche sur la prise USB d'un ordinateur. Il marche pas aussi en direct sur la prise USB d'un panneau solaire qu'on peut ventouser à une vitre. Ça s'appelle un chargeur solaire. C'est fait pour charger les batteries de voiture, mais il y a aussi deux ports USB. Et voilà. Et là, je vous montre l'astuce qui fait que on peut chauffer aussi. C'est l'équivalent d'un chauffage au sol. Moi, j'aime bien ce principe-là. Donc, c'est branché sur deux prises. Il y a une prise là et une prise là. Bon, je l'ai un peu mal choisi. Et ouais, c'est ce tapis-là. Il a été lavé parce que je marche dessus. Hein. Mais quand on l'active, en fait, il va chauffer au sol et il va monter la température de 100 watts. Donc, c'est 100 watts au sol. OK? Et voilà. C'est tout. On peut en activer un pour 50 watts. Et la deuxième moitié, pour 50 watts supplémentaires, pour qu'on ait à 100 watts au sol. C'est à peu près tout. Donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas le chauffage au sol natif, théoriquement, ces éléments-là, c'est fait pour ça. Ok? Bon, certains ont appelé ça des coups ou des chauffe-lits. C'était pas l'objectif du tout. Voilà. C'est tout.